Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Oscar pour une nouvelle vidéo, la famille. Aujourd'hui, énormément d'informations, les gars. Vraiment, j'ai pété un plomb quand j'ai su ça. Vraiment, j'ai pété un plomb. Non seulement on a des infos qui sont sûres qu'elles vont arriver, on a des changements de map. Vous allez voir, on a beaucoup plus d'informations qu'avant. On sait exactement ce qui va arriver. Et vraiment, c'est incroyable. Avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les gars. C'est super important. On parle de tout. On parle de l'actualité de Fortnite. On fait aussi des vidéos théorie. On lit les comics. Prochain comics, mardi prochain. Le dernier comics. On va en parler dans cette vidéo, vous allez voir qu'on a beaucoup d'informations sur le nouveau comics, sur le dernier comics, le comics numéro 6, qui sortira mardi prochain. Restez bien branchés sur cette vidéo. Code créateur de la boutique Fortnite, les gars, NANX2S, je compte sur vous pour le code créateur. Vous êtes beaucoup à l'avoir mis récemment. Ça me fait super plaisir. Code créateur de la boutique NANX2S. Sans plus tarder, les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc tout d'abord les gars, concours Instagram. J'organise un énorme concours sur mon compte Instagram. Mon nouveau compte Instagram, c'est un compte Instagram spécialisé dans Fortnite. Il y a des exclus, il y a des actus, il y a des reels. Bref, il y a de tout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram. Et quoi de mieux pour nous rejoindre que justement de participer au concours que j'ai lancé hier. Donc c'est un concours qui permet de gagner 5 passes de combat. Et si t'as déjà le pass de combat, je t'offre 1000 V-Bucks. Donc t'as pas de raison de pas participer. Donc n'hésitez pas à venir, le lien est en commentaire épinglé les gars de la vidéo. Venez nombreux, concours de malade. Et si on arrive aux 10 000 abonnés, je relance un concours direct. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, ça va être incroyable. Les gars, premier changement de map de cette saison 7. Il y a une ville qui va changer de nom tellement qu'elle va être modifiée. Donc en fait c'est la ville Holy Edge qui va être changée du tout au tout. En fait je vous explique. En gros récemment on a une information. La maison à Holy Edge qui a deux garages va être prise d'assaut par les aliens. On savait déjà ça. En fait les aliens mangent de la pâtée pour chat. Je vous fais pas, vous refais pas l'explication. Enfin les suivre les dernières vidéos les gars. Mais en gros les aliens mangent de la pâtée pour chat. Et donc du coup en fait ils vont faire un stock de pâtée pour chat dans la maison avec deux garages à Holy Edge. Je vous en avais déjà parlé dans une récente vidéo. Mais je pensais qu'il y avait que cette maison qui allait être modifiée. Mais pas du tout. Tout Holy Edge va être modifié. Je répète, tout Holy Edge va être modifié. Toutes les maisons, le magasin à Holy Edge va être modifié. Alors en fait, ça va devenir vraiment le QG des aliens. Non seulement il va y avoir des plantes qui vont pousser, des plantes aliens, tu sais, les plantes tentacules qui vont pousser, mais en plus, toutes les maisons, il y aura de la pâtée pour chat. Toutes les maisons, il y aura de la pâtée pour chat. Et la ville sera vraiment la ville des aliens. C'est d'ailleurs pour ça, les gars, que dans les défis récemment, vous avez eu un défi où il fallait aller à Holy Edge, mais dans le défi, il n'y avait pas écrit Holy Edge, il y avait écrit Holy Hatchery. En fait, Holy Edge va changer de nom. Tellement qu'elle va être modifiée et elle va s'appeler Holy Hatchery. D'ailleurs, Hatch ça veut dire éclore et on a des œufs aliens maintenant sur Fortnite. Donc, sûrement que quand Holy Edge va être modifié, qu'on aura de la pâtée pour chat partout, des plantes aliens, etc., il y aura sûrement aussi un endroit où il y aura beaucoup d'œufs aliens. Donc, c'est pour ça que ça va s'appeler Holy Hatchery, Holy Eclose, éclosion, un truc comme ça. Bref, donc du coup, les gars, je suis super content. Enfin, une ville qui va vraiment être modifiée dans le thème de la saison 7 et Holy Edge en plus, qui est vraiment une ville que moi j'aime bien. Donc, elle va vraiment être modifiée du tout au tout. Et les gars, tellement qu'elle va être modifiée, on a l'Institut Onirique va s'y intéresser. Vous savez très bien que l'Institut Onirique, les gars, dès qu'il se passe quelque chose sur la carte de Fortnite qui n'est pas normal, l'Institut Onirique crée un camp en fait où ils observent l'endroit. Et bien ils vont faire exactement la même chose à Holy Hatchery. Quand Holy Edge va changer de nom, va s'appeler Holy Hatchery et va devenir le QG des aliens, l'Institut Onirique va tellement être choqué qu'ils vont mettre une tente avec un télescope et qu'ils vont observer la ville parce que ça va devenir le QG des aliens. Donc vraiment, il me tarde de voir ça, vraiment. Je pense que ce sera dans la prochaine mise à jour parce que je pense qu'il faut quand même une mise à jour pour implémenter ça. Après, peut-être que c'est déjà dans les fichiers de jeu et faut juste que Fortnite l'active. J'ai aucune idée sur ça. Mais du coup, Holy Edge va changer complètement et s'appellera Holy Hatchery et ce sera le QG des aliens. C'est incroyable. Ensuite les gars, information que personne n'avait capté. Vraiment, même moi je l'avais pas capté. J'ai vu un mec en parler, je me suis dit mais attends, mais what the fuck, comment ça se fait qu'on l'a pas vu? Alors rappelez-vous, cinématique de l'événement Crise Zéro. Pendant la cinématique, juste à la fin, on a le point zéro qui nous envoie une réalité où en fait on a un monde complètement réaliste. Et en fait on avait deux personnages collés et un personnage un peu à l'écart qui levait les bras vers le ciel comme s'il vénérait le point zéro. Et bien en fait les gars, on a eu la même emote faite par un personnage dans l'écran de chargement de Sony de l'été cosmique. Je vous montre l'emote. Donc en fait c'est l'écran de chargement de l'été cosmique. Et en fait on a ce
personnage là qui lève les bras en l'air exactement comme les personnages qu'on a eu pendant la réalité qu'on a vu dans l'événement Crise Zéro. C'était incroyable. J'ai pas compris pourquoi personne n'a vu ça. Donc du coup on a une réalité trop bizarre qu'on avait vue pendant la cinématique de la Crise Zéro. Et là maintenant, écran de chargement de Sony de l'été cosmique, on a quelqu'un qui fait la même emote en levant les bras vers le ciel. J'ai pété un plomb quand j'ai découvert ça. Et vraiment, il n'y a personne qui en a parlé. Je me suis dit, mais attends, mais comment on a fait pour passer à côté de ça? Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Lâchez-moi vos plus belles théories, parce que vraiment, c'est pas normal. Donc les gars, on sait maintenant que le skin du mois de juillet du club de Fortnite, c'est Loki. On a même eu du gameplay qui est sorti, on sait à quoi ressemble le skin, etc. Mais en plus du skin, il y aura des écrans de chargement. Et dans un des écrans de chargement de Loki, on voit une variante du skin Sky. Sky qui était parmi les fantômes dans la saison 2. Sky qui a été un skin que beaucoup de gens ont apprécié, qui était même une mini-boss au requin. Et en fait maintenant, on a une variante de Sky qui a été montrée dans l'écran de chargement de Loki. Donc sûrement les gars, qu'on aurait une variante de Sky qui va arriver dans la boutique dans pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, Askip, c'est une variante qu'avait créé un membre de la communauté. Donc du coup ça serait encore un skin que Fortnite récupère de la communauté, je trouve ça génial. Donc du coup, bientôt, nouvelle variante de Sky dans la boutique. Parlons du vaisseau, c'est devenu un peu la base. À chaque fois qu'on fait une vidéo maintenant, on parle du vaisseau, de l'avancement du vaisseau, etc. Là maintenant, le vaisseau commence, en fait, l'ombre du vaisseau commence à toucher Steamy Stack. On était, en fait, on avance beaucoup chaque jour. Vraiment chaque jour, on avance beaucoup. Et là maintenant, l'ombre, comme je vous ai dit, touche Steamy Stack. Donc moi, je pense les gars qu'en fait, Fortnite ont fait exprès que le vaisseau en fait fasse un peu le tour de la map, parce que si le vaisseau il serait allé tout droit vers Holy Edge, enfin vers Coral Castle, ça aurait pris 2 jours. Ça aurait pris 4-5 jours, pas plus. Sauf que là, comme il fait tout le tour de la map, ça prend 2 semaines. Et 2 semaines, c'est exactement le temps que va prendre l'événement été cosmique. Donc du coup, à la fin de l'été cosmique, juste à la fin, quand ce sera fini, à Coral Castle, au-dessus, il y aura le vaisseau. Donc du coup, je pense que pour fêter la fin de l'été cosmique, il y aura un mini-event à Coral Castle où Coral Castle sera détruit. Donc bien sûr, on sera en live, on va découvrir ça ensemble, on loupera pas ça, bien évidemment. On sera en live, abonnez-vous, activez la cloche, on regardera qu'est-ce qui va se passer à la fin de cet événement d'été, l'été cosmique. Les gars, parlons du comics numéro 6 qui sort mardi. C'est le dernier comics de Fortnite. On aura la conclusion de justement, en fait, qu'est-ce qui se passe sur Fortnite. Et on saura enfin qui est le grand méchant, celui qui contrôle tout sur Fortnite. Et les gars, c'est parti en live. On a eu des screens, on a eu un peu des fuites du comics numéro 6. Ce que je vais vous dire là, c'est pas du fake, c'est complètement officiel. Vous allez péter un plomb. Donc déjà, dans le comics numéro 6, on a Lex Luthor qui apparaît. Lex Luthor, pour ceux qui connaissent l'histoire de Superman, etc., c'est le... Je crois que c'est un ennemi de Superman, Lex Luthor. Et en fait, du coup, il est contre Superman, un truc comme ça. Je m'y connais pas trop en comics. Ensuite on a le pingouin qui apparaît. Je vous dis, c'est parti en live. Ensuite on a Batman Who Logs. Donc c'est le Batman qui rigole. Je savais même pas que ce Batman existait. Il fait flipper. Donc il apparaît lui aussi dans le comics. Donc c'est un Batman un peu genre cauchemar, un peu bizarre. Et du coup on a aussi le Riddler qui apparaît. Bref, je vous affiche une image de chaque skin dont je vous ai parlé. Et du coup, comme ils apparaissent, c'est genre pratiquement sûr à 99% que chaque skin que je viens de vous dire vont sortir dans Fortnite en collaboration. Donc du coup on aura le skin Lex Luthor sur Fortnite, on aura le Penguin, on aura le Batman Who Logs, donc le Batman qui rigole, et on aura le Riddler. Voilà, donc c'est 4 skins qui vont arriver sur Fortnite. Je vous montre pas trop de spoil par rapport au comics numéro 6, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, mais en gros dans le comics numéro 6, Batman et Catwoman vont réussir à utiliser le pont, même s'ils sont que les deux et que Deathstroke les avait laissés seuls. Ils vont réussir aussi à revenir à Gotham City. À Gotham City on aura le professeur Sloan avec des gardes IO qui vont parler avec Lex Luthor. Enfin bref, énormément d'informations. J'ai pas envie de trop vous spoiler ou quoi que ce soit. On comprend pas trop l'histoire. Même maintenant du comics numéro 6, il y a trop de choses. Vraiment ça n'a ni queue ni tête. Il faut vraiment avoir le comics en entier pour lire dans l'ordre, comprendre. Mais du coup voilà, Lex Luthor, le Penguin, Batman Who Logs, le Riddler qui apparaissent dans le comics. Donc du coup sûrement qu'ils arriveront dans Fortnite en tant que collaboration. Donc c'est incroyable. C'est vrai que c'est un truc de malade. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr, mardi prochain, on lira le comics. Même si je l'ai à l'avance, on le lira lundi prochain. Et on lira tout ça et on verra la conclusion de l'histoire de Fortnite. Il me tarde de savoir qui c'est le grand méchant dans Fortnite et qui tire les ficelles depuis le début dans l'ombre. La famille, du coup, on se retrouve sur Fortnite. On va aller dans la boutique d'objets. Je vous avais promis de vous prendre le skin Brutus et de vous le montrer, de l'analyser un peu. Finalement, il est sorti, il me plaît pas trop. Je pense pas que je vais l'acheter. Alors, avant toute chose, si vous, il vous intéresse et vous comptez l'acheter, on utilise tout le temps, avant n'importe quel achat, dans la boutique, le code NANX2S. C'est très important. Ça m'aide énormément. Donc, du coup, skin Brutus des plages, pas ouf. Vraiment, alors, j'aime bien Brutus. Le truc, c'est que le skin est un peu trop. Il n'y a pas une dimension. Il n'y a pas le côté histoire que j'aime beaucoup qui est derrière le skin.
skin. C'est-à-dire que regardez, on a sa pioche qui est une pelle à sable. On a son sac à dos qui est... Il n'y a aucun délire avec le fantôme. Et alors ses tatouages, je me suis dit si les tatouages ils sont vraiment stylés, je vais le prendre le skin. Finalement ils sont pas ouf. Regardez, le tatouage qu'il a sur son torse c'est un ange. Je sais pas si c'est une tête d'ange. Ouais si c'est une tête d'ange. Et il y a écrit mom, donc en gros maman. Voilà, donc je vois pas de quoi il parle. Ensuite sur son bras, il y a écrit love avec une dague. La dague un peu comme la dague de... Comment elle s'appelle déjà? La dague de Maridor. La dague de Maridor, voilà, avec écrit love you, un truc comme ça. Love, non juste love. Là ici j'arrive pas à savoir c'est quoi. Si vous arrivez à voir dans le chat, n'hésitez pas à me dire, enfin dans les commentaires. Et après, alors sac à dos, alors attendez, je vais enlever ce sac à dos là, au moins je peux voir ce qu'il a derrière le dos. Mais vraiment, c'est pas... Y a pas un background de malade en fait sur le... C'est ça qui me plaît pas trop. Et du coup si je reviens dessus, hop. Il a deux tatouages, j'ai écrit... J'ai du mal à lire. Là il y a écrit love mom, always. Et là il y a écrit tac big baby. Donc je vois pas du tout ça, ce que ça veut dire. Là il y a écrit... Ouais c'est quoi cette écriture? Attends, j'ai du mal à lire. Là il y a écrit encore mom. Mom. Ah mais là aussi il y a écrit mom. Bon en fait il aime beaucoup sa maman. Je sais pas c'est qui. Mais vraiment le background du skin me plaît pas du tout. Donc je vais pas le prendre finalement. Mais j'ai une autre chose à vous montrer qui est juste incroyable et qui vient juste d'arriver là. C'est vraiment très récent. C'est une mise à jour qui a été déployée sans téléchargement je crois. Il y a même pas 30 minutes. Donc les gars, regardez où je suis. Donc je suis à cette cabane ici. Vous savez tous que c'est Jonesy du bunker qui habite ici. Donc voilà, donc vous avez vu les soucoupes vous aussi. Voilà, donc bref, il a un petit dialogue par rapport aux soucoupes, etc. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Je voulais juste vous montrer que Jonesy du bunker, il est juste là, ok. On va aller dans la cabine, donc dans la cabane juste là-bas, ok. Juste à côté, vraiment, on la voit d'ici même normalement. J'y vais, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Ok les gars, donc je suis à cette cabane maintenant. J'étais là-bas tout à l'heure, ok. Jonesy du bunker, il est là-bas, on est d'accord. Donc maintenant, je rentre dans cette maison, regardez bien. Je rentre dans cette maison, et voilà, ils sont là. Donc en fait, ils étaient dans le vaisseau alien, donc en fait, je vous les avais montrés. Ils étaient dans le vaisseau alien, les deux. Et maintenant, ils sont apparus ici. Donc, on sait pas pourquoi. Mais c'est juste maintenant, là. Ils sont ici, maintenant. Donc, je vous montre où c'est, pour ceux qui veulent aller voir. Je vous montre où c'est. Donc, hop, c'est juste ici, ok. Donc, c'est en dessous de Misty Meadow. Voilà, donc vous allez ici, et ils sont là. C'est la cuisine, et il y a l'autre. Il n'y a pas que lui. L'autre, il est au-dessus. Et je crois qu'il fait une emote, la même emote tout le temps. Voilà. Donc, il regarde l'horizon. Ça me rappelle un peu quand il regardait l'horizon du côté de retail. Donc, on va sortir. Donc, il regarde vers là-bas. Je vais bien regarder, hop. Il regarde vers là-bas. Donc il y a rien. Il y a rien. M'envoyez pas des messages. Oh, Yana, si regarde quelque chose. Là pour l'instant, il y a rien. Il regarde vers là-bas. Et du coup, il y a Hypex qui nous a donné 2-3 informations sur eux. Donc déjà, il faut savoir que si il y en a un qui est téléporté très loin, il se re-téléporte tout le temps vers lui. En gros, ils restent tout le temps ensemble. Vous pouvez pas les séparer. De deux, si vous en tuez un des deux, il y a l'autre qui va commencer à pleurer. Ok. Et je vous montre toutes les emotes qui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu l'autre arriver. J'ai vu l'autre se lever. Ok, donc ils sont juste ici. Bam. Hop. Et aussi les gars, donc je vous montre toutes les emotes qu'ils peuvent faire. Donc c'est toutes les emotes que je vous montre à l'écran maintenant. Et on sait pas pourquoi, ils détestent le scientifique, les deux. Donc en fait ils ont une emote qu'ils utilisent de temps en temps. J'espère que je vais pouvoir vous la montrer. Où en fait ils montrent qu'ils détestent le scientifique. Voilà, ben celle-là, exactement cette emote. Ils détestent le scientifique les deux. Et lui il est mort de rire, on sait pas pourquoi. Donc c'est à peu près toutes les informations qu'on a sur les deux. On sait pas pourquoi ils sont revenus. On sait juste qu'ils sont toujours inséparables. Depuis que les ghosts et les ombres ils se sont séparés. Donc du coup voilà, donc ils vont refaire ça, lui il va continuer à regarder l'horizon. Et lui je crois qu'il va descendre encore faire la cuisine, voilà. Donc c'est, voilà, j'étais obligé de le mettre dans cette vidéo parce que je sais vous allez me spam de messages. Anas regarde, les acolytes sont de retour. Donc voilà, je suis au courant, acolytes de retour, ils détestent tous les deux les scientifiques. Donc voilà. Les gars, demain, 18h, je vous sors ma théorie la plus dingue que j'ai jamais sortie. Vraiment, rappelez-vous la théorie que je vous avais sortie sur les aliens, les extraterrestres, il y a plus d'un mois. Je vous avais dit que c'était ma théorie la plus folle. Et d'ailleurs, c'était vrai parce que personne ne m'a cru quand je l'ai sortie. Il y en a, ils ont dit Anas, des extraterrestres, mais t'es parti trop loin, t'es un malade. Demain, je vous sors une théorie encore plus incroyable. Une théorie, mais ma théorie la plus dingue de la saison 7. Elle sort demain, 18h. Vraiment, soyez là. Parce que vous allez vous dire au début, vous allez voir la miniature, le titre, vous allez vous dire Anas, il a pété un plomb. Faut qu'on le réanime, faut qu'on fasse quelque chose. Mais quand vous aurez fini la vidéo, vous direz Anas il m'a complètement cassé le cerveau. Donc bref, soyez là les gars, demain 18h, activez la cloche, abonnez-vous. Demain ma théorie la plus dingue à 18h, soyez là. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte bien évidemment les gars pour une prochaine vidéo. Demain ma théorie la plus folle, demain 18h. Je compte sur vous pour être là. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.